everyone out there. I believe you are all doing fine. Today I'm going to teach you how to make this wonderful jollof rice. This Nigerian versus Ghana versus Nigerian jollof rice. If you are interested, let's get started. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ce delicious jollof rice. Nous, on dit jollof rice. Ghana contre Nigeria. Alors, si ça vous intéresse, on va commencer. I have my 3 onions. I've chopped 2. J'ai 3 oignons. J'ai coupé un petit, 2 petits morceaux. I have 2 garlic, big garlic. J'ai 2 l'ail. I have ginger. J'ai gingembre. J'ai sel. Cube. I have salt and cube. I have 2 laurier. J'ai 2 laurier. I have my rosemary, romarin, and I have my fennel. All this to season. J'ai le fennel pour saisonner la viande. Maintenant, je vais écraser tout le oignon, gingembre, ail ensemble. Now I'm going to blend the onions and the garlic and the ginger together. Now I'll add the onion and all the ingredients I blend. J'ajoute tous les ingrédients que j'ai écrasés. J'ajoute du laurier. J'ajoute mon magi. I add my seasoning magi. I add salt, a bit of fennel. Rosemary. So now I'm going to put it on the fire. Là, maintenant je vais mariner sur le gaz. Comme j'ai mis toutes les pièces, alors je vais mettre sur le gaz. So now I'm steaming it. Maintenant je trempe. Je laisse bouillir un peu ou bien mariner. Alors je vais laisser au moins 15 minutes. I will leave it for 15 minutes. As I'm steaming the meat, I will cut the tomatoes into pieces and blend it and boil it for the sauce. Comme j'ai cuit la viande sur le gaz, je vais couper les tomates en petits morceaux pour cuire. Alors je vais couper. Alors vous voyez, j'ai coupé tout. I'll cut all the tomatoes. And now I have 3 pepper, 2 pepper here. Big pepper, 2 pepper. Because I like pepper. J'ai 2 piments. Mais ça pique très fort, ces piments-là. Parce que j'aime bien quand ça pique. I like hot food. Now I'll blend the tomatoes and the pepper together. So I'm going to boil it. Maintenant, j'ai écrasé le tomate avec des piments ensemble. Alors je vais faire cuire. Now the meat is well done. So we are going to fry it. Maintenant la viande est cuite. Alors je vais faire frire la viande. J'ai tant fait cuire mon tomate un petit peu bien cuit avant d'utiliser pour ma sauce. So now I'm boiling the tomatoes very well and the pepper very well. So that's the tomato that I will use for the sauce. I'm frying the meat very soon to be ready. J'ai tant fait frire la viande, ça va être prêt dans quelques minutes. Et après, on va commencer à faire la sauce. When the meat is ready, we start to make the stew. I have 4 carrots. I want to cut them into pieces. J'ai 4 carottes. J'ai coupé un petit morceau pour notre jollof rice. So you have to cut it small pieces. If you don't like carrots, you don't have to put carrots. But if you have carrots, you put carrots. C'est pas obligé de mettre carottes. J'ai mis carottes avec haricots verts. Si tu n'aimes pas, c'est pas obligé. Mais moi, ma mère m'a pris comme ça. If you don't like carrots, as I was saying,
you can do without carrot or green beans, but this is how my mom taught me how to cook jollof rice. So when I was in Ghana, we always put jollof rice with green beans. We add green beans and we add carrots, and you can add peas too, green peas if you like it. You put me the petit pois aussi, mais pour nous, j'ai oublié de acheter quelques petits pois à la maison. So now our meat is ready. So I'm moving it to start the sauce. Maintenant je suis prêt, je vais commencer à faire la sauce. I'm adding my onions. Cut pieces of onions and add it together with the onion that I've blind, the one that I just put in there. Add with the oil. Je vais couper un petit morceau de onion pour ajouter avec ce que j'ai déjà écrasé là. Je vais ajouter dans l'huile là. Add the onion together with the one that I've already blind. J'ajoute ce que j'ai déjà écrasé ensemble. Maintenant on va commencer nos sauces. Now we are going to start. I'll wait a little bit for the onion to be well cooked, and after I'll add my tomatoes. J'attends un peu que l'oignon doit bien frit, bien cuit, et après je vais ajouter mon tomate. Vous voyez les tomates ici. Now my onions is ready. I'm going to add 1 teaspoon of tomato paste. Maintenant j'ajoute 1 cuillère. Sauce tomate et laisser un peu. So I will leave it to cook a little bit. Je vais laisser un peu cuire un petit peu et après je vais ajouter le tomate dedans. And after I add the tomatoes inside. Maintenant, je vais ajouter mon tomate. Now I'm going to add my tomatoes. C'est là, c'est the one that I blend and boil. Je vais arrêter un petit peu. I'll leave it to boil a little bit, and after I'll add my meat. Now I'm going to add my meat. Maintenant j'ajoute la viande. Of the meat. Je vais ajouter un petit peu l'eau d'abord. I will add this one a little bit. And maintenant, I will add my seasoning. I will add 1 cube of shrimp seasoning shrimps to it. J'ai ajouté 1 cube de magi. J'ai mis crevettes. Mais tu peux mettre comme tu veux, la bœuf, mais moi je préfère crevettes. Et maintenant, je vais ajouter coupe d'oignon. J'aime bien ça aussi. Je vais ajouter un petit peu. I like my rosemary romarin. Un petit peu, a bit inside. I like a little bit of this inside. I add a bit powdered ginger again. Now I'm adding the water of the meat, the juice. Maintenant j'ajoute l'eau cuisson de la viande. Maintenant je vais laver le. Je vais vous montrer le riz. I have 2 cups of rice. So I'm going to wash it and add to the sauce. Maintenant j'ai deux bol de riz, je vais laver et je vais ajouter avec la sauce. Et je vais ajouter le carotte, le haricot vert, tous ensemble. Alors je vais laver. Il faut bien laver le riz. You have to wash the rice very well. Now I'm going to add
my carrots and my green beans. Maintenant, je vais ajouter carottes et la recovery. Carottes. Maintenant, je vais laisser cuire pour 30 minutes. 30 minutes. So now I'll leave it from the fire for about 30 minutes. Our rice is done now. Notre riz est bien cuit maintenant. So, finally, we have finished our jollof rice. And I thank you all for watching. If you like this, the way I cook my jollof rice, please don't forget to give me a thumb and please subscribe to my channel. I beg you, subscribe to my channel. Don't watch this video and just go out. Please watch and subscribe. Thank you. God bless you. Si ça vous a plu, comment j'ai fait mon jollof rice, s'il vous plaît, abonnez à ma chaîne. Comme je vous dis souvent, je suis nouvelle dans cette chaîne. Alors abonnez à ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez. Et là, finalement, on a fini le jollof rice. Alors, c'est facile à faire. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de me donner le grand pouce qui va en haut, pas en bas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!